l'une des principales régies pourvoyeuses des recettes publiques, la douane nationale est un organe régulateur par excellence de l'économie nationale. La Direction générale des services de douane et des droits indirects joue un rôle essentiel, gérant le flux physique des marchandises, des personnes et des moyens de transport franchissant les frontières. La douane nationale du Tchad est régie par des textes organiques adoptés dans le cadre de la modernisation de ses services. La valeur, l'origine et le poids de toutes les marchandises importées sont automatiquement déclarées à la douane nationale du Tchad. L'action du service des douanes porte notamment sur l'assiette, le contrôle et la perception des droits des douanes et droits accessoires à l'importation des marchandises et des taxes aux produits importés. Pour le directeur général de Kerim Sherfadine Mohamed, les recettes douanières constituent la principale source d'alimentation du budget de l'État. Instrument d'une véritable indépendance, la douane nationale veille à l'application de la réglementation du commerce extérieur et des changes, en veillant en particulier au respect des textes en vigueur. Le contrôle du commerce extérieur se traduit par la mise en place d'une série de mesures partant du principe de la liberté du commerce à l'importation, à l'exportation, jusqu'à la prohibition relative ou absolue avant embarquement des marchandises. À ce titre, elle dirige, coordonne, anime et contrôle l'activité du service douanier à l'exécution de la politique du gouvernement en matière fiscale et économique. L'avion, ce moyen de transport, est considéré par la douane nationale du Tchad comme étant une marchandise. Toute importation de marchandises sur le territoire national tchadien non déclaré est considérée comme fraude. La brigade mobile intervient automatiquement dans ces cas afin de réprimer cet acte frauduleux.